C'est vraiment une saloperie. Les amis, rebonjour, on va arriver sur un stand de Tanguy. C'est Thomas qui m'a présenté à Tanguy, ligne de vêtements super, passionné d'automobile. C'est une ligne de vêtements pour les passionnés en fait, ça s'appelle Vroom Vroom. Je vous laisse avec Tanguy, il va vous expliquer directement en quoi ça consiste et tout ce qu'il y a sur la collection de Tanguy. Ouais. Rebonjour. Rebonjour Eric. Donc, merci d'être venu sur le stand. Non, je t'en prie, c'est un grand plaisir. Super. Ligne de vêtements Vroom Vroom. Ouais. Donc, mais pas que. Vas-y, je te laisse dire. Vroom Vroom, c'est parti vraiment d'une ambiance de copains. On a fait juste des t-shirts avec nos propres voitures. Mon papa, moi, des amis. Les amis des amis, au début, on en faisait cadeau. Ça commençait à nous coûter un petit peu trop d'argent. On a commencé à les commercialiser. Puis on a vu qu'il y avait un intérêt réel sur les voitures anciennes parce qu'on est vraiment passionnés. Et par conséquent, on a décidé de développer une petite collection progressivement. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'un jour, dans une des malles que j'ai acheté, j'ai pu trouver des photos anciennes d'époque. Donc je me suis dit, tiens, ces photos ont vraiment de l'intérêt, il faut que je retrouve les propriétaires de cette malle et aussi donc de ces photos. Et j'ai pu accéder à la famille, racheter les photos avec les droits pour pouvoir justement les exploiter sur mes t-shirts. D'accord. Et il y a un gros travail aujourd'hui d'archives, parce qu'il y a quelques petites annotations sur les négatifs ou bien sur les photos, et par conséquent, il y a un énorme travail en amont pour essayer de reconstituer toute l'aventure, toute l'histoire de chacune des photos. Avant de développer toute la gamme. Avant de développer, avant de penser à la coupe des produits, on se focalise sur ces photos-là. Donc là, c'est la Jaguar Type C. Non, ouais, tu vois, tu dis que tu es timide devant la caméra, ouais, mais ça se passe bien en fait. C'est pas si simple, c'est pas mon métier. Mais c'est vrai que cette Jaguar Type C, dans le virage d'arnage, c'est une de mes photos préférées, je la porte très souvent. J'ai beaucoup d'amour pour Jaguar. William Lyons. Donc voilà, c'est vraiment une affaire passionnée. Donc progressivement, on a commencé par le t-shirt. Ouais. On a commencé à développer d'autres produits, donc les polos, les sweats. Progressivement, donc maintenant les bonnets. C'est d'actualité parce qu'avec ce qui est tombé comme neige à Paris. Et puis, en parlant du bonnet, franchement, Thomas, oui. Il représente bien la marque. Thomas, il est toujours habillé en Vroom Vroom. On fait pas de caleçon Vroom Vroom, mais on y pense pour Thomas, pour qu'il soit 100% habillé par Vroom Vroom. Caleçon et chaussettes, Thomas de Saulieu, il va être Vroom Vroom. J'ai quelques idées de caleçon et chaussettes, ça pourrait arriver, peut-être pas tout de suite, mais prochainement. Ok, super. Donc en fait, à la base, je m'interromps, c'est pas une histoire de potes, une histoire de copains, de passionnés. Papa, le fils, les copains. C'est passionné, voilà. Et donc tu as développé une gamme qui est super en fait. C'est gentil. Parce que moi je connais ta gamme, je vais pousser, on ne va pas se mentir, par l'intermédiaire de Thomas. Et hier, j'ai dit à Thomas, mais je dis, emmène-moi chez Vroom Vroom. Donc voilà, et puis on a fait connaissance et c'est super. On essaie de faire de la qualité, essentiellement en France. Tout n'est pas fait en France, mais beaucoup de choses sont faites en France. Et j'ai oublié de préciser que le logo, donc le volant, c'est un cadeau que mon papa m'a fait quand j'avais 18 ans. Il a décroché le volant du mur du garage familial. C'est pour ça que c'est très lié à la famille, c'est lié à l'affect. Et Vroom Vroom, c'est parti de la maman. Donc c'est encore une fois très famille. Donc ma mère a dit Vroom, et moi j'ai dit, tiens, il manque un deuxième Vroom parce qu'on accélère plusieurs fois pour démarrer la voiture. Ça a été très vite trouvé. Bah, comme toi, comme moi, comme Thomas, comme plein de passionnés, nos premiers volants, on les voit tous à la maison. On les garde. Il y a une valeur affective, une histoire d'amour. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on développe aussi donc, les plexiglas. Donc, c'est la partie Vroom Vroom Studio. Donc, à partir de nos négatifs, on a décidé de partir un petit peu dans le mode de la décoration. Donc là, c'est vraiment c'est une nouvelle marque qu'on a déposée, donc ça s'appelle Vroom Vroom Studio. D'accord. Donc on part sur le plexiglas, peut-être prochainement aussi du mobilier de déco pour les garages ou même pour les lofts. Il y a quelque chose qui est super sympa, d'ailleurs tu m'en as fait cadeau, je te remercie, c'est le porte-clés, je vais le mettre en photo sur mon site. C'est gentil. Mais par contre, ce qui est super beau, je suis un ancien bijoutier, donc voilà, c'est le petit bracelet Vroom Vroom avec le volant. Le petit bracelet, un petit peu caché par ma bouche. Je vais le filmer et puis après je vais le prendre en photo. Bien sûr. Donc le bracelet qui est réalisé dans le 9e arrondissement à Paris, donc on est encore cocorico là-dedans. C'est de l'argent massif, tu m'as dit hier. Alors là on est sur de l'or rose, mais par contre, effectivement ici, dans cette boîte, donc on vient juste de refaire nos boîtes également, on est sur de l'argent massif, argent 925. C'est avec les lumières, voilà. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très très qualitatif. On a fait appel à une société danoise pour les boîtes parce que c'est difficile de trouver des beaux écrans aussi et je voulais vraiment mettre en valeur ce bijou. Et là, je viens de penser un truc, je te jure que c'est vrai à l'instant T. Dis-moi tout. Moi, je rentre demain parce que je suis au salon jusqu'à demain. Ouais. Tu vas nous donner tes coordonnées du site. Bien sûr. Et vroom-vroom.fr, mais vas-y. Concernant le bracelet. Ouais. Et c'est bientôt la Saint-Valentin. C'est vrai que donc, ça peut être un beau cadeau pour l'un comme pour l'autre. C'est unisexe.
C'est vrai, mais c'est... pour vos copains qui sont passionnés. C'est pas de facile de trouver des beaux cadeaux pour hommes. Là, je crois qu'on. Là, c'est un super cadeau. On est dans le thème, ouais. C'est vrai. Tanguy, je te laisse donner les informations concernant ton site. Alors, le site, c'est vroom-vroom.fr. Un nouveau site est en cours de réalisation, donc au mois de mars, on sera fin prêt. Là, c'est encore un site un peu transitoire. Ouais. Mais voilà, c'est un site sur lequel on peut commander tous nos produits. Et on a du stock en bracelet, donc j'ai prévu justement pour la Saint-Valentin. Ça marche. Je vais pas me faire avoir comme l'année dernière. Ok, ça marche. Tanguy, merci à l'heure. Merci beaucoup, Eric. Bon salon. Ouais. De toute façon, on se retrouve tout à l'heure. On va tout donner. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Eric. Donc, les amis, il vous a tout dit. Tanguy, c'est super. Franchement, la gamme de vêtements, elle est au top. Elle est fun. Elle est branchée pour tous les passionnés de voitures. Moi, je l'ai connu grâce à Thomas de Solieu, qui est un ami à moi. Je vous laisse aller sur le site et découvrir tout ce qu'ils font. Ça marche. Ciao, ciao. Bah, vous, François.